Alors, je redis deux, trois choses par rapport au projet. Donc, je vous rappelle que l'objectif est de faire des paroles sur une musique donc, qui a été faite. Nous, ce qu'on a fait pour l'instant, depuis le début du chapitre, c'est de travailler sur la poésie. Alors, maintenant, l'idée, c'est de transférer ce travail-là vers quelque chose qui est à la fois ressemblant, mais un peu différent, c'est de faire des paroles de chansons. Pour ça, vous allez réutiliser tout ce qu'on a vu dans le chapitre, mais j'ai préparé, je vous ai montré déjà hier, une ressource qui est là. J'ai rajouté des trucs depuis hier, alors je redis. Donc ça, c'est le document sur lequel vous avez la rythmique. Est-ce que vous l'avez en version papier par hasard? Tu l'as? Bon, au cas où. Et donc, je vous rappelle, il y a la grille en particulier. Donc même si vous avez la musique en tête, il faut peut-être la voir aussi sous les yeux pour savoir le nombre de syllabes que vous allez utiliser. Même si, j'ai déjà expliqué hier, le fait de passer des paroles en musique, on peut jouer sur pas mal de choses pour que si on n'a pas 8 syllabes, c'est pas très grave. On peut faire à la croche ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Moi, je suis parti d'un principe, c'est que ce que nous, on fait en travail, il y a d'autres gens qui l'ont fait avant, avec la particularité, c'est qu'ils ont mis en musique des poèmes qui existaient, des poèmes d'auteurs. Donc, j'en ai pris plusieurs, hein, qui sont assez connus. Pour faire des paroles de chansons, la notion d'allitération est importante. C'est-à-dire avoir des sons consonnes, mais on peut le faire aussi en assonance, en son voyelle, qui vont se répéter dans une phrase musicale. Si vous choisissez assonance, que vous mettez un mot, il va vous sortir plein de mots français qui ont des sons communs. Okay. Si vous voulez faire des rimes, parce que l'idée c'est quand même qu'en fin de phrase, de phrase musicale, qu'il y ait quand même des rimes, je vous rappelle, c'est les saisons qu'on a sur le thème sur lequel on s'est arrêté, il y a un outil qu'on appelle le champ lexical, c'est-à-dire que si on tape par exemple l'été, il va aller chercher dans sa banque tout un tas de mots qui ont un lien avec l'été. Vous voyez tous les mots que ça fait? Pour le reste, c'est votre imagination qui va jouer énormément sur ce travail-là. Vous êtes en autonomie, on a tout le matériel, Naëlik ? On peut faire à plusieurs. Alors, vous faites comme vous voulez. Oui, alors, l'objectif, c'est qu'à la fin, on prenne le meilleur de ce que la classe aura produit. Donc, vous pouvez faire seul, à plusieurs. Vous pouvez vous lancer à plusieurs sur un couplet et puis en faire un seul séparément. Vous pouvez choisir d'essayer de faire un couplet par saison ou bien plusieurs versions de l'été. Vous pouvez, si vous avez du mal, juste faire une ligne, une phrase musicale. Le tout, c'est qu'à la fin, on ait un contenu suffisant pour que vous puissiez fabriquer la chanson au niveau de la classe. C'est bon? Bon, ben, c'est parti. Par rapport à la démarche de création, je crois qu'il y a quelque chose d'important par rapport à... C'est Anaïs, tu as demandé si on peut travailler en groupe. Oui. Moi, je pense que le processus de création a toujours été, dans l'histoire de la création, que ce soit en musique ou en littérature, un processus individuel. On crée seul dans son coin. Donc moi, ce que je propose, c'est que d'abord vous travaillez seul et qu'ensuite vous mutualisiez ce que vous avez trouvé, que vous mettez en groupe pour travailler. Mais vous commencez par travailler seul et avoir vraiment cette démarche. Ça fait quoi là? Bah là, je vais chercher, je suis avec Naïm. Mmh. Ouais, mais vous allez voir plein de mots apparaître. Et ces mots-là sont peut-être une base intéressante. Essayez de travailler beaucoup les effets de style dans vos petites phrases, dans vos vers. On en a parlé, il y a les histoires d'anaphores. Dans beaucoup de chansons, il y a des anaphores, des choses qui se répètent. Les images, métaphores, comparaisons, il y en a aussi beaucoup, beaucoup. Essayez de travailler ça. Alors, quand tu es dans l'outil de champ lexical, regarde, tu tapes le mot que tu veux et tu as tout ça qui apparaît. Enfin, tu iras voir, tiens, après, en parallèle. Mais après, il y a plein d'autres mots, si tu connais pas celui-là. Regarde, il y a tout ça. Ah, j'ai pas eu ça comme info, je crois pas. Attends, je vais demander à Gilbert. Vous avez pas fait la chanson, il n'y avait pas d'idée de refrain spécialement. Ah, il n'y a pas de refrain. Il n'y a pas de refrain. Donc le blues, oui, il n'y a pas de refrain dans le blues. Alors, le blues, c'est vraiment la grande invention de la musique afro-américaine. C'est la grande invention, parce que jusqu'alors... Datant du Moyen-Âge, on n'avait que la forme du rondeau, c'est-à-dire couplet, refrain, etc. Donc c'était facile de faire une chanson, on faisait une ritournelle, on racontait une petite histoire, et puis le couplet, le refrain était toujours là, quasiment. Tandis que le blues, c'est 12 mesures, et puis voilà. Alors le chiffre 12, en plus, il évoque quoi pour vous? Bah, les mois de l'année. Ouais. Oui. Encore? Bah... Je n'ai pas l'imagination.
Il n'y a pas 12 heures dans une journée Il y a 12 heures. 12 heures, il n'y a pas midi. Il y a la moitié de la journée. Il n'y a pas 12 apôtres. Et la musique américaine est quand même vachement marquée, afro-américaine est quand même vachement marquée par le caractère religieux qui est important. Moi, je voulais vous dire quelque chose par rapport à la musique. Ça fait, par exemple, au début, ça fait... Na, na, na. Ta, 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 ta. Et ça pourrait aussi faire... Ta, ta, ta. Ta, da, 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 da. Vous avez entendu, j'ai fait ta da 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 au lieu de faire ta ta ta. C'est ce que disait M. Tarris tout à l'heure à l'accroche. Ce qui fait qu'on peut dire plusieurs. J'ai pris un exemple. Cet été qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas eu. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait aussi faire ta da da. Là, j'ai beaucoup plus de mots, de syllabes. Et la première note, on pourrait aussi la modifier au lieu de faire ta ta da. On pourrait faire ta ta da ta da. Dans votre texte. On va peut-être, accompagné de Gilbert, rechanter la mélodie, la fredonner, c'est pas la peine de mettre les paroles. Hein. On essaye ? Je compte 4, on y va. 1, 2, 3, 4. Bam, 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 bam. Faites-le debout. Allez, comme échauffement. 1, 2, 3, 4. Je vous entends. D'accompagnement la semaine dernière que tu avais proposé. Vas-y, tu peux la refaire en. Non, là, ouais. Avec le chant en même temps. 1, 2, 3, 4. C'est bien, plus fort. Encore. Plus fort.
important, c'est que dès le départ, ce qui est important dans un morceau de musique, c'est le début et la fin. Ça, je vous l'ai déjà raconté plusieurs fois. Il faut que dès le début, vous attaquiez sur la première note très fort. Da, 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 da. 1, 2, 3, 4. Texte. On peut faire un petit tour. Moi, je vais faire un petit tour sur les thèmes et comme ça, je vais voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Alors, bon, qu'est-ce qui ne va pas dans le bac ? Alors, c'est quoi ? Juste la rythmique d'un groupe proposé. Structure à 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est sur le 2. On fait court long. 1, 2, 3, 4. 1, court long. 3, 4. Court long. 3, 4. Court long. 3, 4. Court long. 3, 4. À vous. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Thank you.
Alors, tout le monde a sous les yeux le texte d'élève qui a été retenu. Alors, j'ai envie de poser une question là pour l'entrée en matière. Est-ce que quelqu'un peut me dire, me donner la raison ou les raisons pour lesquelles ce texte avait été retenu? Pourquoi c'est ce poème qu'on avait retenu parmi plein de productions d'autres élèves? Oui. Parce que c'était un des plus complets. C'est-à-dire Qu'en fait, y avait certains textes qui n'ont pas été choisis parce qu'il n'y avait pas toutes les saisons dedans. Et d'accord, peut-être rappeler que, effectivement, vous deviez travailler sur le thème des saisons. Donc, des saisons, comme chacun sait, il y en a. Il y en a quatre. Voilà. Et donc, effectivement, ce texte. Dans ce texte, il y avait quatre saisons et elles étaient travaillées. Voilà. Qu'est-ce qui a pu se passer dans d'autres textes qui n'auraient pas été retenus? Il y avait une seule saison. Oui, ou voire. Deux. Deux, voilà. Donc, ils étaient un petit peu incomplets. Maintenant, quelle pourrait être l'autre raison pour laquelle ce texte a recueilli un peu vos suffrages? Oui. La construction moderne de ce poème, ça permet de poser la rythmique plus facilement sur la mélodie avec les mots et tout ça. N'a-t-on pas quand même un problème lorsqu'on interprète cette chanson et ce texte? Y a-t-il pas un endroit où rythmiquement on a du mal à placer nos mots? Oui. C'est la phrase C de notre blues. Oui. C'est ni la A ni la B, c'est vraiment la C où on a du mal. Est-ce que tu peux me la fredonner la C? On l'aide? Est-ce qu'on peut la fredonner? Tout le monde voit où on est dans le blues ou pas? Si tu peux nous accompagner, voilà. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a plus de mal. On y va? Juste en la fredonnant sans les mots. 1, 2, 3, 4. Encore 2, 1, 2, 3, 4. Alors, on va le rechanter. Qu'est-ce qui correspond à A? Qu'est-ce qui correspond à B? Et qu'est-ce qui correspond à C? On y va? On essaie de réimproviser? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Assez devant le feu, un grand coussin entre nous deux. Top. Ça pourrait être la phrase quoi, ça? On continue. 3, 4. La neige commence à tomber, la magie a commencé. Là, ça pourrait être là. La B. Alors du coup, on se retrouve avec la. Bon, alors, balisez-le quand même sur votre texte. Oui. Voilà, allons apprendre et apprivoiser à voyager. Donc finalement, c'est toujours la dernière quoi? Le dernier vers de chaque couplet. Hein, la ligne mélodique descendante, la dégringolade qui nous pose rythmiquement un problème, elle se trouve tout le temps en fin de couplet. Donc j'aimerais bien que vous essayiez à deux ou trois de travailler sur comment placer les paroles, le dernier vers de chaque couplet, comment le placer au mieux sur le rythme qui est en dégringolade avec la mélodie. Qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on ajoute, est-ce qu'on prononce les muets, est-ce qu'on ne prononce pas? Si on faisait un décompte, comment est-ce qu'on pourrait faire? On y va? On essaye ça? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Ou alors, en pensant qu'on joue donc ce qu'on appelle des triolets. On joue trois notes sur chaque fois. Enchaîner, parce que si on n'enchaîne pas, bah, du coup, ça serait compliqué par ici. Après, il ne faut pas forcément que enchaîner. Ce que je te propose, on va tous rechanter le couplet 1.
Et la dernière phrase, c'est le rapporteur qui va donc chanter la dégringolade du couplet 1, qui va faire la proposition. D'accord, c'est ça. Donc à ce moment-là, sur les paroles « Construire un joli bonhomme de neige », on écoute Tessa, hein, et puis on voit ce que les autres pensent de la proposition. Construire un joli bonhomme de neige. Alors, construire un joli bonhomme de neige, c'est ça. Vas-y, refais. Mais bien, juste j'ai la mélodie. Construire un joli bonhomme de neige, c'est ça. Construire un joli bonhomme de neige. Bon, bah c'est moi qui vous le transmets. Construire un joli bonhomme de neige. 1, 2, 3. Construire un joli bonhomme de neige. Alors, prends tout depuis le début. Elle chantait plus fort, je vais mettre là où vous êtes assis, mais donnez qu'on cale là. Après, on le fera debout. 1, 2, 3, 4. Assis devant le feu. Un grand coussin entre nous deux. La neige commence à tomber. On attend bien, la magie a commencé. Le temps de l'hiver, désormais, des choix magiques. Construire un joli bonhomme de neige. Allez, on y va sur le troisième couplet. Allons, je suis sur la plage. Pas loin du grand village. Je suis en train de mains. Un décor hawaïen. Le temps de l'été des oreilles. Soleil de la plage. Elles vont nous le refaire. Attends, la dernière phrase, on y va, on leur donne la parole. La dernière phrase. Elles y vont. Alors, c'est quoi votre proposition? On vous écoute. Allons apprendre et apprivoiser à voyager. Encore? Allons apprendre et apprivoiser à voyager. Allons apprendre et apprivoiser à voyager. Encore? Allons apprendre et apprivoiser à voyager. Encore? Allons apprendre et apprivoiser à voyager. Alors, ils sont ajoutés 4. Partons ensemble vers cette 4 nouvelles saisons. Partons ensemble vers ces 4 nouvelles saisons. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut ajouter dans votre texte? 4. Ils ont ajouté un mot pour que ça tombe. Allons tous ensemble chasser les sorcières et les fées. Donc là, c'est les S. Allons tous ensemble chasser. On s'arrête à chasser. 3, 4. Allons tous ensemble chasser. Merci, Mia. Allons tous ensemble chasser. Encore. Maintenant la phrase dans sa totalité. Allons tous ensemble chasser les sorciers et les fées. Encore. Allons tous ensemble chasser les sorciers et les fées. T'entends pas le se chasser. Allons tous ensemble chasser les sorciers et les fées. Ah ben voilà, ça change tout. Ça change tout, on a envie de nous écouter là. Allons tous ensemble chasser les sorciers et les fées. C'est pas d'accent sur le chat. Allons tous ensemble chasser les sorciers et les fées. Top. Le dernier, on avait ajouté un mot à la demande du groupe qui travaille sur le couplet 5. Partons ensemble vers ces 4 nouvelles saisons. Les E muets étaient à prononcer, autrement il nous manquait des pieds. Partons ensemble vers ces 4 nouvelles saisons. Partons ensemble vers ces 4 nouvelles saisons. Non, sans chanter. Encore. Partons ensemble vers ces 4 nouvelles saisons. Encore. Qu'est-ce que c'est ça? Maintenant, chantant. Partons ensemble vers ces 4 nouvelles saisons. C'est le K qui est important. Partons ensemble vers ces 4 nouvelles saisons. Sans lui mettre un hypercut. Partons ensemble vers ces 4 nouvelles saisons. Encore. Partons ensemble vers ces 4 nouvelles saisons. Très bien. On y va. Assis devant le feu. Comment? Un grand coussin entre nous deux. À vous. Un grand coussin entre nous deux. À moi. La neige commence à tomber. La neige commence à tomber. La magie a commencé. La magie a commencé. Alors top. 3, 4. Assis devant le feu. Un grand coussin entre nous deux. La neige commence à tomber. La magie a commencé. Le temps de
sera mi-magie. On sera joliment dans le déneige. Bon, allez, on essaye la suite. On avait déjà fait un premier repérage il y a maintenant 15 jours. Concernant la saison de l'hiver, il y avait Margot qui avait proposé éventuellement d'incruster quelques phrases de son texte, quelques mots. Tessa, Gwenaëlle et Diane. Ces trois ou quatre élèves, que vous sélectionniez ce que vous avez envie qu'on entende et qu'on voit comment ça pourrait être placé sur l'instru de Gilbert, qui est donc un morceau de blues sur lequel on avait travaillé l'année dernière, qui était déjà quoi ? Blue Monk, le petit canard, c'était l'histoire d'un petit canard. Voilà. Bien, donc moi ce que je proposais, c'est que Gilbert aille peut-être avec ses élèves dans un studio, voir comment on peut placer vos mots sur l'accompagnement. 3, 4. Super. Mon histoire d'écureuil, on peut la balancer n'importe où. Comment je repars? Ça c'est plus difficile. Donc on part plus aigu, plus grave. Plus aigu, plus grave. On repart plus aigu, plus grave. Donc c'est plus quoi? Plus aigu. Bah oui, c'est un tout petit peu plus aigu, pas beaucoup. Effectivement, c'est moins évident. Allez, on travaille, c'est ça qui va faire la différence. Pam param pam param param param. Allez, soyons efficaces là, parce qu'il y a tellement de petites choses à travailler. Allez, on y va. Encore une fois, la fin de mot avec l'enchaînement. 1, 2, 3, 4. Pam param param pam param param param. 4. Très bien. 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, peut-être pouvoir mettre les paroles. Voilà, maintenant on met les paroles. Allez, donc fin de mot, le petit laps de temps, et on embrasse le couplet 2 avec les paroles sur la bonne note. La fameuse note saule. Allez, on y va.
1, 2, 3, 4. Assis.